I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien à la maison. Mon nom est Jonathan Drapeau, je suis en co-animation avec mon partenaire de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, et toi? Hey, ça va super bien, je suis vraiment content de faire cette émission-là. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, saison 5, et on a un invité spécial qui a un énorme background. Ouais. Il a commencé sa carrière de boxeur. Dans les années 80, et puis il a cheminé vers l'art dramatique, la comédie, a fait des grands films. On va aller le rencontrer, Monsieur Dino Clavet. Comment allez-vous, Monsieur Clavet? Mais je vais très bien, mais merci. Merci, Benoît. Bonjour. Merci de votre invitation. Ça me fait plaisir. Je vais très bien, merci. Hey, c'est vraiment le fun qu'on puisse prendre quelques minutes. On sait que vous êtes super occupé. Vous avez des super de beaux projets. Là. Entre autres, là, il y a un film qui va sortir là, prochainement. Là. Si je ne m'abuse, je me souviens pas du nom. Je vais juste aller revalider. Neglected. Neglected, c'est ça. C'est un nom anglais. Oui, parce que c'est... ça devait s'appeler négligence ou négligé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est négligé. Mais comme le film, on le tourne dans les deux langues, ça prenait 51% anglais le texte, 49% français, étant donné que les syndicats sont là-dedans, puis il faut que ça soit bien fait. Puis on a appelé le film Neglected. Donc, j'ai tourné ça dernièrement avec les frères Fouica. Puis c'est notre rap party, comme on l'appelle, la semaine prochaine. J'ai hâte de rencontrer tout le monde parce que les frères Foucault, c'est une belle histoire. J'ai une belle histoire avec ces frères-là, les réalisateurs et les caméramans. Puis, j'ai une très, très belle histoire avec ces gens-là. Si j'ai le temps, à l'époque, on remonte, il y a peut-être 25 ans, on m'avait demandé de coacher un acteur pour lancer compte. Oui. C'était Leonardo Foucault qui avait 13-14 ans. On m'a demandé de le coacher parce qu'il y avait des scènes de boxe dans la série. Il fallait que ce soit crédible. Donc, moi, je conseille technique pour les films. Quand il y a des scènes de boxe, souvent, on me demande d'être conseiller technique pour que ce soit crédible. Alors, j'ai coaché ce jeune acteur-là, Leonardo Fuca. Ça a super bien été. Super. 20 ans, 25 ans plus tard, il m'appelle. Ça fait 3 ans de ça. Dino, j'aimerais ça t'avoir dans un film. C'est Leonardo. Fait qu'on a tourné un petit film-métrage. On a gagné le prix meilleur film d'action au Festival de New York. On est allé à New York présenter le film. On a gagné ce prix-là. On était super contents. Puis, ils me sont revenus, Dino. On a écrit un autre film qui s'appelle Neglected. C'est un court-métrage. Okay. Donc, j'ai fait ma partie. Et ensuite, on a tellement eu de bons commentaires. Ils m'ont rappelé. Ils ont dit, Dino, on s'en va en moyen-métrage. OK. On a rejeté des scènes. Ils m'ont rappelé, Dino, on s'en va en long-métrage, finalement. Fait que, ils m'ont rejeté des scènes. Puis étant donné que nous sommes allés à New York ensemble en voiture, on a eu le temps de se parler, de se présenter, puis de parler. Moi, j'ai raconté plein d'histoires, je suis un raconteur d'histoires. alors, ils ont réécrit un personnage qui me voit comme un gant, parce que mon personnage dans le film Neglected, il va jouer la comédie, il va s'en dire, mais il va se battre aussi, il va avoir une bagarre. Il va chanter, parce que j'ai toujours aimé ça chanter, puis je suis un auteur-compositeur aussi à temps partiel. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai fait une petite présence en parrain, une petite affaire, j'ai dit ma feuille de merci, parce que moi je peux dire merci dans 185 langues, fait que je l'ai testé dans le film et tout, fait que c'était une belle histoire avec les frères Foucault. Donc le film Neglected qui va sortir bientôt au printemps, là. Oui, puis vous jouez avec, justement, avec un ami, là, avec qui qu'on a fait de la lutte, le Nicolas Paquin, et puis...
on voit qu'il est dans la liste des artistes. La description, ouais. Ouais, c'est vraiment nice. On est vraiment content pour vous. Oui. Ma première question, en fait, vous êtes né à Montréal en 1961. Au cours de votre jeunesse, avez-vous eu des modèles, des figures inspirantes qui vous ont servi tout au long de votre carrière? Je suis né à Verdun, sud-ouest de Montréal, mais j'ai plutôt grandi à Ville-la-Salle, qui est la ville voisine, okay. Sur le bord de la rivière, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, devant les rapides de la Chine. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai étudié pour être guide touristique aussi, donc l'histoire, c'est grâce à ces rapides-là, ou à cause de ces rapides-là, que les Français n'ont pas pu aller plus loin. Ils voulaient aller au Grand Lac puis traverser l'Amérique à l'époque. Donc, à cause de ces rapides-là, ils sont venus sur leur pas. C'est là, plus tard, ils ont fondé le Vieux-Montréal et ainsi de suite. Mais moi, j'ai grandi vraiment dans ce secteur-là. C'est certain que quand j'étais plus jeune, c'était mon père qui était un peu comme mon idole, exemple. Je vais lui ressembler. C'était un gentleman, mon père. Puis il était sharp. Puis, mais quand j'ai grandi tranquillement, là, ça a été... Moi, je rêvais d'être un acteur. J'ai toujours voulu être un acteur parce que j'avais surpris ma mère une fois, j'avais 12 ans, je revenais de l'école, puis j'ai surpris ma mère à regarder un film, puis elle pleurait, puis j'ai dit « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Là, elle m'a mis sur ses genoux, elle dit « Écoute bien, mon fils. » Elle dit « Maman, regarde un film, fais-toi-en pas, ce sont des acteurs, ils jouent la comédie. » Mais moi, là, je trouvais ça drôle que par le truchement de la télévision, on pouvait atteindre les moments à la maison. Donc, moi, là, je me suis mis à mijoter, puis j'aimerais ça toucher les moments à la maison. Donc, j'ai toujours rêvé d'être un acteur, mais je n'étais pas sérieux. Je me suis inscrit en art dramatique, j'avais 16 ans au secondaire. Mais j'étais pas vraiment sérieux parce que je déconnais, puis c'était mon âge. Bref, faire une histoire courte, ça a mal fini mon secondaire. J'ai dû retourner à l'école des adultes plus tard. Et c'est plus tard, je rêvais toujours d'être un acteur. Je travaillais à l'époque au Canadien National. J'étais nettoyeur, cleaner. Je nettoyais, j'étais préposé à l'entretien. Et j'ai trouvé un journal par terre. Et quand j'ai lu le journal, je me suis assis, j'avais 18 ans, et j'ai lu que Jean-Paul Belmondo, l'acteur français qui faisait ses cascades et tout ça, lui avait été boxeur jeune, et il s'est fait remarquer par un réalisateur, puis c'est là que Jean-Luc Godard, le réalisateur, il l'a remarqué, et il lui a donné des premiers rôles, deux rôles, c'est devenu Jean-Paul Belmondo. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, c'est ça. M'a fait de la boxe pour me faire connaître comme individu. Oui, oui. Puis ensuite, je vais faire du cinéma. Et c'est un petit peu ça qui est arrivé parce que la boxe, ça m'a donné, un tremplin extraordinaire. À l'époque, dans les années 80, nous, on boxait tous les mois. Tous les mois, il y avait un galop de boxe au Centre Paul Sauvé. Et au mois de juin, à la fin de l'année, on commençait au mois de septembre jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, on boxait au Forum de Montréal devant 20 000 spectateurs. Moi, j'ai connu ça. L'époque de la boxe populaire. Puis, alors moi, j'avais beaucoup d'entrevues, j'accordais des entrevues, puis sans prétention, j'étais pas mal en entrevue, je faisais attention à mon français, je faisais attention à ma diction, je faisais attention à mes gestes. Je voulais pas être considéré comme un goon de la boxe, je voulais faire du cinéma. Et tranquillement, de fil en aiguille, j'ai rencontré un réalisateur, j'ai rencontré un comédien, Richard Niquette, qui m'a engagé dans sa pièce de théâtre. Et ensuite, je joue au théâtre à Georges Dor. Georges Dor, celui qui écrit la chanson La Manique. J'ai joué à son théâtre d'été. OK. Lui, je jouais à Saint-Germain-de-Grande-Tampe. Donc, moi, je partais de Montréal tous les soirs. Je travaillais à l'époque chez O'Keefe et je livrais de la bière le jour. Le soir, je prenais ma petite voiture, je traversais, j'allais à Saint-Germain-de-Grande-Tampe près de Drummondville. J'allais jouer au théâtre d'été chez Georges Dor. Et Georges Dor, quand il m'a vu, il dit, je vais t'écrire de quoi un jour? Mais moi, je disais OK, mais il faisait deux ou trois affaires qu'on me promettait, puis ça marchait pas. Mais il a tenu parole, et il m'a écrit un beau personnage dans Lanceur. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers pas comme comédien dans un téléroman en 1986. Ça s'appelait Lanceur. Puis, le réalisateur, il était pas trop chaud à l'idée de me prendre parce qu'il avait peur que je me fâche, il avait peur que j'ai pas de texte, que j'ai pas de mémoire. Puis, parce que bon, c'était une autre époque. J'ai réussi à passer le test, entre guillemets. Après la première enregistrement, le réalisateur était satisfait. Fait que finalement, j'ai travaillé pendant 5 à 6 mois. J'ai travaillé toutes les semaines dans ce téléroman-là, Lanceur. Donc, ça m'a permis de peaufiner mon style, puis ensuite d'accumuler mes permis à l'Union des artistes et de devenir membre de l'Union des artistes. Et ensuite,
Régent Tremblay est arrivé pas longtemps après. Il écrit Scoop, il m'écrit un beau personnage. Régent Tremblay, c'est quand même curieux parce que Régent Tremblay avait écrit dans la presse que j'allais durer deux rondes contre Alex Hilton, OK? Quand j'ai eu mon combat contre Alex Hilton. Si on se remet à l'époque, les frères Hilton, c'est eux qui faisaient le puits puis le beau temps dans la boxe à Montréal. Okay. Ils étaient cinq frères. Juste leur histoire, c'est un scénario de film. Bref, là, je dois affronter Alex Hilton. J'accepte comme de raison. Puis moi, je veux me battre. Ouais. Go! Régent Tremblay avait écrit dans la presse que j'allais durer deux rondes contre Alex Hilton. Parce que je tenais trop à ma moustache bien taillée, je tenais trop à mes dents blanches. Bref, fait que là, moi, ça m'a fâché, ça m'a fouetté. Hein. Fait que là, Régent Tremblay, je m'ai parlé dans le casque, on va le voir. Mais quand on est jeune. Aujourd'hui, tu dirais ça, je dirais OK, d'accord, puis c'est pas grave. Ouais. Mais là, moi, je l'avais pris au premier degré. Fait que j'ai voulu aller donner de la merde à Régent Tremblay. J'ai bien fait de ne pas le faire. Parce que sept, huit ans après, il m'a écrit un des plus beaux rôles de ma carrière, Jimmy Fontaine dans Scoop. Ah, ben oui, c'était hot, c'est... Fait que c'est drôle, des fois. Hein. Fait que finalement, et là, de fil en aiguille, comme de raison, appelle un, appelle l'autre. Je me suis déguisé pour avoir des rôles. Je me suis improvisé sur des plateaux de tournage. Puis il y en a que ça a fonctionné. Il y en a que ça a vraiment marché. J'ai travaillé avec Bruce Willis dans un film. Je me suis improvisé sur un bateau dans le Vieux-Montréal. J'ai fait à croire que j'étais comme le capitaine du bateau. Puis ils m'ont remarqué. Puis j'ai voulu avoir une audition. Ils m'ont donné une audition. J'ai eu le rôle. J'ai travaillé 10 jours avec Bruce Willis. C'était le chacal, ça, hein? Plein. C'était le chacal. C'était dans le chacal, ça? Non. The Whole Nine Yards, mon nouveau voisin. OK, je pensais que c'était dans le chacal parce que ça a été tourné en partie à Montréal, c'est pour ça. Ouais, ça se peut. Ouais, mais il y a plusieurs productions américaines qui viennent tourner à Montréal pour beaucoup de raisons. Premièrement, nous, on est débrouillards. Les Québécois sont débrouillards. Avec pas grand-chose, ils vont faire quelque chose. Les quatre saisons, donc, ils ont le choix des saisons selon le scénario. On parle dans les deux langues. On a le vieux Montréal pour recréer un peu l'Europe. On a le centre-ville pour recréer un peu l'Amérique. Les forêts autour de nous pour recréer cette époque-là. Donc, on aime beaucoup venir travailler à Montréal, puis ils nous aiment beaucoup. Puis moi, ben, de fil en... Ça coûte moins cher aussi pour eux. Fait que... j'ai travaillé avec Anthony Hopkins, Rod Steiger, des gros noms que j'ai eu la chance de cinéma m'emmener en contact avec ces gens-là, puis je l'apprécie énormément. Ben, c'est sûr. Oui, Monsieur Clavet, si on revient à la boxe, c'est qui qu'on peut dire que c'est votre adversaire le plus coriace durant votre carrière? Le plus coriace, honnêtement, je vais être franc avec vous, j'ai livré une vingtaine de combats professionnels. Il y en a un qui était vraiment plus fort, c'est à mon dernier combat professionnel, il s'appelle Darryl Flint. Il venait de Halifax. Lui, là, il m'a coupé au premier round. J'étais coupé en deuil au premier round, au deuxième round, en dessous du menton. Il cognait dur, puis il était solide, puis il était affamé. Puis faire une histoire courte, je ne devais pas affronter ce boxeur-là. Je devais affronter un autre boxeur, mais ils n'ont pas voulu que j'affronte l'autre boxeur. Je ne ferais pas une vague avec ça. Fait qu'ils m'ont emmené ce gars-là à la dernière minute. J'ai accepté. Ouais. C'était pour le championnat canadien, donc c'était pas vraiment déshonorable de perdre contre un champion. Alors moi, toutes mes défaites ont été contre les champions, parce que les deux autres boxeurs, Alex Hilton, je le battais, Alex Hilton. J'étais le premier Canadien à battre Alex Hilton. J'ai perdu à 4 secondes de la 12e et dernière ronde, à 2 minutes 56 du 12e et dernière ronde, parce que j'ai craché son protecteur buccal 6 fois pendant le combat. En fait, 3 fois parce que je l'ai atteint solidement, il l'a perdu. 3 autres fois, il l'a craché volontairement parce qu'il avait de la misère à respirer avec le protecteur buccal. Okay. Moi, je me suis tourné la cheville, j'ai marché dessus au 5e, 6e round. Ma cheville s'est tournée, j'ai demandé à mon entraîneur qui était Mario Cusson à l'époque. Il dit, Mario, sur quoi? Il me dit, c'est son mouthpiece, ton protecteur buccal, fais attention, OK. Au dernier round, Mario, le monde est pour moi. Là, on scande Dino. Je suis en train de battre un des frères Hilton, c'était une première au Canada. Lui, là, il y a comme Hilton, ils ont comme au-dessus de 100, 200 combats amateurs dans le corps. Ouais. Moi, j'avais fait 10 combats amateurs. C'est la première fois que j'allais dans un 12 rondes. Bref, ça a été super vite, mon affaire. Et j'étais en train de le battre, j'étais en train de causer une surprise. 2 juges sur 3 me donnent la victoire. Je me battais contre le champion. Ça veut dire quand tu bats contre le champion, tu as 2 juges qui donnent l'avance.
Ça veut dire que je le battais comme il faut. Vous savez ce que je veux dire? Bon, parce, que, parce que là. Et là, au dernier round, j'ai demandé, Mario, c'est le dernier round, Mario, dis-nous, t'es en avance au point, fais juste le boxer. Le boxer, ça veut dire juste se déplacer puis le boxer, pas échanger coup pour coup. Alors, OK, j'ai quand même échangé un peu parce que j'ai vu la reprise à plusieurs fois, la reprise du 12e round. J'ai échangé avec lui. Encore là, tout est correct. Quand son protecteur me tombe entre les deux jambes, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai jeté un regard par terre pour tasser avec mon pied le protecteur buccal. Ouais, c'est là qu'il m'a atteint avec une dizaine de points. Il m'a ébranlé. L'arbitre a arrêté le combat un peu vite. J'avais le droit à deux comptes. Si j'avais eu un deuxième compte, j'étais sauvé par la cloche. Maintenant, ce qui paraît imprévisible, après coup, devient prévisible. Tu sais. C'est les Hilton qui amenaient l'argent là-bas à Montréal. C'était pas un jeune comédien qui est un jeune boxeur qui rêve des comédies. Ouais. Hilton quand même. Je comprends la business. Fait que aujourd'hui, je prends ça avec un recul, avec philosophie. Il n'y a pas de maître qui ne laisse pas un bien. Parce que si j'avais gagné ce championnat-là, j'aurais voulu forcément aller plus haut. On veut toujours aller plus haut, hein? Fait que j'aurais peut-être vécu une carrière qui m'aurait peut-être fait plus de mal que de bien. Parce que on m'avait averti, moi, les neurologues de l'époque, Dino, fais attention parce que les neurones de la parole sont situés derrière le front. Et si tu reçois un combat de trop, des coups de poing de trop, il est possible que ton élocution soit empâtée ou que tu bégayes. Alors moi, j'avais besoin d'une élocution franche puis directe, puis de me faire comprendre. Fallait pas que je bégaye, puis fallait pas que j'ai des pertes de mémoire. Fait que finalement, c'était comme le champ du thing. Mon dernier combat contre Darryl Flynn, c'était pour le championnat canadien. J'avais 29 ans. OK, j'ai perdu. Coupure là. Il était plus fort que moi, le monsieur. Parfait. Faut rendre à César ce qui est à César. Et je me suis retiré. Je me suis retiré de la boxe. Mais je l'enseigne toujours. J'enseigne la boxe récréative. Puis ça me sert toujours. Ça a été une école pour moi extraordinaire. Super. Dans le film « Mauvais œil », version anglaise de « Snake Eyes », sorti en 1998, excusez-moi, dont certaines scènes ont été tournées en partie au centre Bell, vous avez partagé l'écran avec Nicolas Cage. Pourriez-vous nous parler de cette expérience, de cette collaboration? Ben, en fait, je n'ai pas rencontré Nicolas Cage. Okay. Moi, ce que j'ai su, c'est que c'était Brian De Palma, le réalisateur. OK. Brian De Palma, il avait fait avec Al Pacino Scarface. Oui. Puis, j'étais sur le plateau de Scarface. Ça, c'était Miami en 1983. Ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai ça une autre fois, si vous voulez. Mais j'avais été sur le plateau avec Brian De Palma. Donc, quand il est venu tourner à Montréal, moi, j'étais content. J'avais une petite présence, un petit rôle. Mais dans le cinéma, on dit il n'y a pas de petits ou de grands rôles. Il y a juste de petits ou de gros cachets. Ah, ben ça, c'est Hollywood. Mais, c'est ça. Hollywood. Mais en travaillant avec Brian De Palma, on a fait une prise, one take. On appelle ça un one take. J'ai fait une prise. Puis là, M. De Palma, il vient me voir et il me demande « Are you happy about your scene? » I'm happy, of course. If you're happy, I'm happy too. Lui, il a trouvé ça correct. J'ai fait une prise. C'était un one take. C'était mon moment de gloire, si je peux dire, de rencontrer Brian De Palma puis de travailler sous sa direction. Fait que j'avais une petite présence, un caméo qu'on peut dire. C'est très, un beau tournage. Nice. Oui, dans le milieu des années 90, M. Clavet, vous avez rencontré le gentleman, ancien lutteur et actuel maire de la ville de Rawdon, M. Raymond Rougeau. Celui-ci sollicite votre assistance pour sa préparation à un combat crucial de 10 rounds qui se tiendra au Centre Molson à l'époque contre le regretté Owen Hart. Pourriez-vous nous faire part de cette fascinante histoire? Oui, monsieur. Ben, merci. Quand je reçois, ben, comme de raison, la lutte, je connais ça un petit peu. Pourquoi? Parce que ça se passait souvent à l'auditorium de Verdun. Moi, j'ai grandi à Verdun. J'allais flâner à l'auditorium de Verdun souvent. Puis quand il y avait des galas de lutte, évidemment, j'assistais aux galas de lutte. Et fait que la lutte, je connais ça un petit peu. Comme de raison, je connaissais les Jean Ferré, puis Johnny Rougeau, puis ces gars-là. Quand je reçois un appel
des frères Rougeau, de Raymond, de le coacher pour un combat, ben là, c'est certain, je suis honoré. Alors, je reçois Raymond, il vient au gymnase, j'enseigne des... Parce qu'il voulait faire un match d'exhibition avec Owen Hart. C'était comme un match de boxe. Oui. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu le combat, mais c'était un match de boxe. Bon, moi, là, je le prenais au premier degré, là. Je disais à Raymond, je me souviens, là, tatati, tatata, transfère ton poids quand il va aller au tapis, puis tatati, tatata. Ouais, mais là, j'étais plus jeune aussi, puis là, moi, j'étais au premier degré, l'entraîneur de boxe, lève tes mains, fais une feinte, over right hand, puis là, j'ai montré la technique. Mais c'était un bagarreur, Raymond Rougeau. C'est un lutteur, un bagarreur. Il n'est pas peureux de nature. Fait que, mais ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que c'était stagé aussi, cette affaire-là. Ouais, tu comprends? C'est ça. OK. C'est moi, au début, j'allais tout de suite au premier degré. Fait que, quand le combat a eu lieu, je me souviens, c'était au forum. Wow! Toute une soirée, une présentation, Owen Hart, tatati, tatata. Moi, j'ai vécu un moment extraordinaire. Puis Raymond Rougeau, monsieur, là, c'était un gentleman. Un monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'était un professionnel. Tout à fait. Il est super gentil, il a une promesse, une parole, il tient sa promesse. C'était un moment mémorable de coacher ce combat-là, sans savoir que le verdict où elle allait finalement, c'est Raymond Rougeau qui a eu la décision, tu sais. Puis après ça, bon, j'ai appris plus tard qu'Owen Hart, il y avait eu un accident, puis qu'il était tombé. Oui, malheureusement. Tué. Malheureusement. L'équipement, oui, allongé. Mais, exactement. Mais la sœur de Raymond Rougeau, son nom m'échappe, son prénom. Joanne. Oui, elle était promotrice. Ouais. Elle m'a demandé de présenter la lutte à Ottawa. Fait que je suis allé à Ottawa, j'étais le ring announcer, l'annonceur à Ottawa. Et après ça, à Québec, au Colisée de Québec, j'étais le ring, alors j'ai présenté les lutteurs. Fait que j'ai côtoyé un peu, entre guillemets, ces lutteurs-là. Puis c'est tout un monde, hein? C'est un monde particulier. Hein? Ensuite de ça, dans les années 90, comment avez-vous été approché pour le rôle de Mafieu Angelo, je le dis peut-être mal, là, Bugliosi, dans la série Omerta? Oui, mais en italien, le GL, on ne prononce pas le G, fait que c'est Bugliosi. Bugliosi, excusez-moi. Bugliosi. Ça, c'est une belle histoire. Pourquoi? Puis je vais vous raconter ça rapidement. Oui, le réalisateur m'appelle directement, Dino, je tourne une nouvelle télésérie qui s'appelle Omerta. J'ai dit, Omerta, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire la loi du silence. Il dit, t'as 2 jours de tournage, tu vas vendre de la drogue là-dedans. J'ai dit, OK. Alors, je fais les deux jours de tournage, j'ai un rôle, je vends de la cocaïne là-dedans. Fait que moi, je suis content, je suis jeune, je commence un milieu. Le réalisateur m'a appelé directement chez moi pour m'offrir le rôle, j'accepte d'emblée. Et qui je rencontre sur le plateau? Une maquilleuse qui avait des bottes de boxe. Elle avait des bottes de boxe, elle était maquilleuse. Okay. J'ai dit, toi, tu fais de la boxe? Elle dit, non, elle dit, je porte des bottes, elle dit, c'est confortable. Bref, on fait connaissance. Oui, oui. Je ferme la parenthèse. Finalement, la télésérie tombe à l'eau. Radio-Canada n'est pas en accord avec les images qu'ils ont vues. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Bref, ça tombe à l'eau. Fait que, bon, la production est sur la glace, il n'y a plus rien qui se passe. Je vais dire, 8-9 mois après, ça revient, je lis ça dans les journaux, heureusement, que la production Omerta va revenir, mais avec un autre réalisateur. Oh! Okay. Le premier, c'est lui qui m'avait appelé pour m'offrir le rôle. Là, le deuxième réalisateur, c'est lui qui choisit son équipe. C'est le capitaine du bateau, c'est lui qui choisit l'équipe. Mais le deuxième réalisateur, j'ai travaillé avec lui dans Scoop. J'ai fait la télésérie Scoop avec lui. Cool. Fait que je l'appelle. Hey, c'est Dino. Allô, Pierre, ça va? Oui, c'est Dino. Peux-tu revoir le rôle que j'avais, là? Il dit, Dino, je pensais à quelque chose de mieux. Il dit, c'est drôle que tu m'appelles, je pensais à toi. J'ai un meilleur rôle. Angelo Bugliosi. 17 jours de tournage. Un premier rôle. Un Capodici. Un Capodici, c'est un lieutenant du parrain. OK? Alors moi, avant le screen test, qu'on appelle l'audition, je vais aller me chercher un habit argenté, avec des petites lignes.
des faux bracelets en or, du stock. Tu sais, c'était pas du... Puis, je me lèche les cheveux et je suis allé dans des soirées italiennes. Soirée italienne, trois petits points. Oui, okay? Oui, ouais, ouais, bien sûr. Parce que je voulais voir les gars, comment est-ce qu'ils s'embrassaient, puis comment est-ce qu'ils se donnaient la main, puis comment est-ce qu'ils... Et trois petits points, j'ai été reçu comme un... ils connaissaient le boxeur. Fait, quand ils m'ont vu, la gang, je vais dans un baptême italien. Par une histoire courte, là. Puis, j'ai été reçu par la gang des Italiens, puis, comme j'ai du sang italien, parce que j'ai un prénom italien, puis ma mère elle était d'origine italienne, j'avais un lien avec ces gars-là. Fait que, bref, quand je suis allé passer le screen test d'audition avec mon habit argenté, puis ça, ils m'ont pris tout de suite. Et là, j'ai tourné Angelo Bogliozzi. J'ai fait deux ans, parce que la première année, je me fais tuer. Je suis pas dans la deuxième, je reviens dans la troisième, parce que la troisième, on est en flashback avant le 1. Oui, c'est ça. Les six premières se passent avant la première, c'est ça? Oui, c'est ça. Les six premiers épisodes se passent avant la première. Comme dans Star Wars. C'est ça. C'était un cadeau pour moi. Et en même temps, je me félicitais d'avoir pris le... est-ce que c'est du courage? Mais je dirais pas du courage, mais d'avoir pris l'initiative de faire mes devoirs, d'appeler la bonne personne. Moi, c'est dans ma nature. Moi, si tu me dis, Dino... Martin Scorsese, il est à telle place à Détroit, aux États-Unis, à New York, Détroit, Miami. Moi, je prends l'avion ce soir, je m'en vais rencontrer Martin Scorsese, puis j'y donne la main. Je vous garantis, je t'engage 100$ qu'ils vont m'engager dans le film. Moi, ça, c'est dans ma nature. Oui, oui, oui. Mais bon, il faut quand même respecter le protocole. Tu sais, il y a une agence de casting, il y a une agente, tatati, tatata. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça parce que si j'avais écouté le protocole, si j'avais suivi le protocole, je serais pas devenu boxeur professionnel. J'aurais été encore un boxeur dans le gymnase. C'est parce qu'il a fallu que je trouve la façon de me rendre pour plaire à la bonne personne puis me donner une chance au combat. Et ensuite, le cinéma, c'est la même chose. Je me suis déguisé dans des rôles pour avoir des auditions. J'ai appelé des réalisateurs. J'ai fait ce que... Ben moi, je viens d'une école qui... je paye mes taxes, je travaille, je respecte tout le monde, mais si je vais appeler le premier ministre, j'appelle le premier ministre. Je dis pas qu'il va me répondre. Peut-être qu'il va pas me répondre, mais c'est mon droit. C'est pas illégal. T'as le droit. Appelle-moi. Tu ne risques rien d'aller. Bon, exactement. Puis il y en a bien qui me disent que ça prend du guts. Mais no guts, no glory. No guts, no glory. Exact. Fait que c'est ça. Vas-y. Oui, bien sûr. En 2000, vous avez joué dans le film intitulé Hochelaga, réalisé par Michel Jeteux. Oui. Vous y avez interprété le rôle d'un chef de moteur sanguinaire nommé Tatou. Et Dieu sait qu'il est sanguinaire. Oui. Pensez-vous que l'expérience de ce personnage a pu vous être bénéfique pour d'autres films tels que Histoire de peine en 2002, voire même pour des rôles de personnificateur du parrain? Non. Le parrain, ça, c'est une autre case. On va mettre ça de côté. Okay. Je vais revenir à Michel Jeteux. Quand j'ai joué dans Hochelaga, j'étais super content. J'ai rencontré. Et là, on se remonte à l'époque. Là, c'est à l'époque qu'on venait de trouver des cadavres dans le fleuve Saint-Laurent. Là. Oui, oui. Ah, ben oui, ça brassait. On avait trouvé les Hells Angels, les Rock Machines, les Hells Angels. Moi, je ne suis pas trop familier avec le monde de motards, mais bon, mais c'était à l'époque qu'on venait de trouver plusieurs cadavres dans le fleuve Saint-Laurent. C'était l'époque, c'était la guerre des motards. Le rôle du capitaine, du chef de moteur, Tatou, OK. Fait que je passe l'audition, je suis content, je suis choisi. J'ai fait un tournage avec ces gars-là, ça a été une belle expérience parce qu'il y avait plusieurs moteurs avec nous. C'était pas des moteurs criminalisés, c'était des moteurs tout simplement. Mais il y avait le look, il y avait l'apparence des vrais bikers. Moi, j'ai tourné ça avec eux autres, ça a été tout un tournage. Mon personnage s'est fait tuer, OK, mais c'était une belle gang, wow! Puis les gars, on voulait bien faire. Puis Hochelaga, vous savez ce que ça veut dire, Hochelaga, hein? Ça veut dire, dans la langue algonquine, trappe. Hein? C'est une trappe. Okay. Trappe de castor ou embuscade. Hochelaga veut dire embuscade. Donc, dans le film, le jeune, il se fait avoir. Il se fait avoir à un moment donné. Hochelaga veut dire trappe ou embuscade. Puis Montréal, ça s'appelait Hochelaga avant ça, comme de raison. Fait que on a tourné dans le quartier Hochelaga aussi. Fait que le film Hochelaga,
tes couleurs, c'est ce que tu as de plus précieux. Donc, moi, j'étais content. Et la vie fait que Michel Jetté, j'ai eu une belle relation avec lui. Il m'a rappelé. Il y a quand même de la fidélité en cinéma. Il y en a qui rappellent leurs propres comédiens. Il y a une fidélité qui s'installe, une connivence, un professionnalisme. Puis, Dino, je tourne un autre film qui s'appelle Histoire de peine. Parfait! Parce que moi, en tant que boxeur, je boxais dans les prisons. J'allais faire des matchs de boxe, exhibition, pour divertir les prisonniers. Et Pardon? Vous étiez le Johnny Cage de la boxe. je suis allé aussi comme conférencier dans les prisons, dans plusieurs prisons. Comme conférencier. Et j'ai même boxé contre un prisonnier. Un prisonnier à l'Institut Leclerc. J'ai boxé une autre fois. Bref, j'avais le monde carcéral, je voulais le connaître. Et là, dans l'histoire de peine, OK, ça se passe dans une prison. Je connaissais un peu le langage, un peu ça. Puis c'est, fait qu'on a fait l'histoire de peine. Mon personnage, un beau personnage qui s'appelait Piston, un ex-boxeur qui coach le jeune Emmanuel Auger, que j'ai suggéré à Michel Jetté. Tu te gardes, je connais un jeune comédien, il est vraiment bon, puis Emmanuel Auger, puis il a fait passer une audition, puis Emmanuel Auger, il a eu le rôle un peu grâce à son talent et à sa personne, mettons que j'ai fait une passe à la palette, OK? Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça quand c'est possible. Quand c'est possible de faire une passe à la palette à un collègue, je le fais. Et suite à ça, après Histoire de peine, ben là, ensuite, c'est arrivé le film Messrine avec Vincent Cassel en France. Je devais tourner dans une prison aussi. Oui, oui. Puis là, on a gagné 3 Césars avec ça. Fait que, Césars. Puis mes scènes étaient avec Vincent Cassel. Waouh! Ça a été d'un professionnalisme avec un P majuscule. Il était fin, le gars, gentil et tout ça. Puis, quand il venait à Montréal, on a reconnecté ensemble. On a mangé un petit morceau dans le Vieux-Montréal ensemble. On s'est revu à Toronto après ça pour la promotion du film. Oui. J'ai eu une belle rencontre avec Vincent Cassel, puis de jouer dans ce film-là, Mérine, Jacques Messrine. En France, ils disent Mérine. Nous, les Québécois, on dit Messrine. Ouais, mais ça a gagné 3 Césars. Là, j'avais une belle présence. J'avais un premier rôle là-dedans. J'ai été 3 semaines en France, dans des prisons en France. Mais pas carcéré. Puis pourtant, j'ai pas une once de criminalité dans moi, ça. J'ai pas une once de... Je joue souvent des bandits, des mafias, des tueurs, des... Mais moi, là, j'ai pas... mon dossier est bien beau, bien clair. J'ai jamais fait mal à personne. Mais je pense que votre force aussi, tu sais, vous nous l'avez expliqué, mais tu sais, c'est le fait d'avoir été vraiment sur les lieux de la réalité, de la vie des gens. Tu sais, vous nous avez parlé aussi que dans certains tournages, il y avait des moteurs. Fait que, tu sais, vous pouviez sentir un peu l'essence de la réalité, puis par la suite, pouvoir le projeter à l'écran. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que vraiment, c'est génial. Puis selon moi, je vous félicite, mais tu sais, comme Hochelaga, Histoire de peine, selon moi, c'est mon humble avis, c'est un des 10 meilleurs films québécois de tous les temps. Je trouve tellement que c'est bien écrit, c'est bien présenté. Le jeu d'acteur est incroyable. L'équipe qu'il y avait là-dedans, c'est hallucinant. Puis Omerta, c'est la série que j'ai le plus tripé, honnêtement. Omerta, je connais toutes les scènes par cœur. J'ai écouté ça 100 fois au moins. C'est débile, là. Hey, ça fait déjà 35 minutes qu'on est avec vous, Monsieur Clavet. Tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup. Mais en terminant, pour conclure, comme à l'habitude, je vous donne quelques noms et vous me dites en quelques mots à quoi ça vous fait penser. Donc, on commence avec Mike Tyson. Mike Tyson. Je ne le connais pas, Mike Tyson. OK. Je ne le connais pas. Je le connais comme boxeur. Ah, mais c'est ça ce que j'ai appris. De... Oui, vous allez-y. M'entendez-vous? On vous entend très bien. Mike Tyson, ce que j'ai su de lui par après, c'est quand il était jeune, il élevait des pigeons. Puis il y a des gens qui faisaient mal aux pigeons. Puis lui, il défendait ses pigeons. OK? Puis ensuite, il est devenu jeune à 20 ans, le premier champion du monde de poids lourd à 20 ans. Il avait une force de frappe, il était solide, il était vrai.
Mais c'était pas mon style de boxeur. Moi, j'aime les boxeurs techniciens. Les boxeurs, même avant Muhammad Ali, moi, j'aime les Floyd Patterson et Ezra Charles, des gars qui boxent avec une technique. Alors que Mike Tyson, lui, c'est un bulldozer. Oui, c'est un bulldozer. Oui, oui. J'ai du respect pour lui. Puis si on se rencontre, je vais le féliciter. Puis ça. Mais j'étais pas accroché à son style. Parce que moi, le boxeur que j'aimais, c'était Marcel Cerdan. Marcel Cerdan, c'était l'amoureux de Édith Piaf. Oui, il est mort d'un accident d'avion. Ouais. C'est un Européen, j'imagine. Oui, c'est un Français. Exactement, exactement. L'avion a crashé. Fait que moi, c'est ces gars-là que j'aimais, les gars qui, les boxeurs qui avaient de la classe en dehors du ring. Vous savez, j'étais identifié à ces boxeurs-là. Super. Le prochain, Dino Tavarone. Oui. Dino Belle Tavarone. Rencontre, parce que quand je suis arrivé sur le plateau, Dino Tavarone, quand je suis arrivé sur Omerta, on a fait connaissance, c'est lui qui joue le rôle du chef, du parrain, donc on a eu une belle relation. Et comme j'ai un petit peu de sang italien, parce que c'est pour ça que je m'appelle Dino, je fais souvent des blagues, je dis, je suis moitié-moitié, j'ai le haut français, puis j'ai le bas italien. Je fais des blagues. Mais ma mère m'a appelé Dino en mémoire de l'Italie parce que mon frère s'appelle Robert, puis ma soeur Carole, Sylvie. Okay. J'ai aucun cousin qui a un prénom italien. Je suis le seul qui a un prénom italien. Mais ça m'a inspiré vers l'Italie. Fait que forcément, quand j'ai rencontré Dino Tavarone, hey Dino, t'es-tu un vrai Dino? Moi aussi, je suis un vrai Dino. Fait qu'on a fait connaissance. C'était un tournage extraordinaire. D'ailleurs, encore là, ça fait quoi, 20 ans, 30 ans qu'on a fait ce film-là? Puis encore là, de temps en temps, on s'envoie des petits mots. J'envoie des messages du parrain, il m'écrit des petits mots. On a gardé une espèce de communication intéressante. Ouais. J'aime beaucoup cet acteur-là. Le prochain, Roy Dupuis. Wow, ben ça, c'est une belle affaire. Moi, je connaissais rien dans le cinéma, forcément. Quand les filles de Caleb sont arrivées, oui, j'ai regardé un petit peu les filles de Caleb et tout ça, mais j'étais pas je dirais pas que j'étais un fervent, c'était pas assidu à la télésérie. De temps en temps, je le prenais sur le fly quand ça passait. Puis la vie fait que je vais jouer dans Scoop. Régent Tremblay m'a écrit mon personnage dans Scoop, Jimmy Fontaine. Et mon ami va être Michel Gagné, un journaliste joué par Roy Dupuis. Ouais. Roy, il commençait à prendre de la popularité avec les filles de Caleb. Il commençait à être en demande. Et là, je me suis ramassé sur le plateau de tournage avec lui. Ça a été une rencontre super amicale, super professionnelle. Il est fin, le gars. Il est sensible. C'est un bon gars. Il est intelligent. Moi, c'était une belle rencontre. On s'est côtoyé pendant 2-3 ans parce qu'on a eu Scoop, ça a fait 3 ans. Fait que on est allé dans des matchs de boxe ensemble. Il voulait connaître le milieu. Je l'ai entraîné aussi un petit peu. Ensuite, la vie a fait que, bon, il y a eu un autre film d'André Forcier. J'ai travaillé avec lui. Puis ensuite, Mesrine, que j'ai tourné en France avec Vincent Jean-Paul Mercier. Roy était là. Il fait Jean-Paul Mercier, le braqueur de banque. Exactement, c'était Jean-Paul. Fait que là, on a renoué ensemble à Paris. Il a été super généreux. On est allé au restaurant, on était peut-être une dizaine. Il a ramassé la facture pour toute la gang. C'est un gars qui a beaucoup de cœur. Moi, j'aime les gens qui ont du cœur. Puis, fait que on s'appelle pas régulièrement, mais quand on se croise, on a une belle rencontre. Ouais. Et puis pour terminer, Dino Clavet. Dino Clavet, le prochain. Oui. C'est ce que vous pouvez dire de vous pour parler de vous. Il faut que je parle de moi. Ben oui, en bien, il est là. C'est que Dino, ma mère est d'origine italienne, elle voulait m'appeler Dino, D-I-N-O. Ma marraine, elle venait de Timmins en Ontario. Elle disait, puis si on remonte, il y a 60 ans, elle dit, si tu l'appelles Dino, D-I-N-O, les Français, les Canadiens français qu'on disait à l'époque, ils vont l'appeler Dino. Mais Dino, c'est pas pareil. Alors, ils m'ont appelé. Puis là, c'est l'époque où ce que James Dean, il venait juste de mourir, et il y avait Dean Martin qui faisait le plus puis le beau temps avec Jerry Lewis. Dean Martin, un grand acteur et un chanteur de forme. Alors, ils m'ont appelé Dean pour vraiment, je dirais, motiver les gens ou aller. C'est pas Dino, c'est Dino.
Donc, moi, depuis que je suis petit gars, c'est sûr que mon prénom, ça m'a affecté. Ben, pas affecté dans le mauvais sens, mais ça joue sur ma personnalité parce que je me battais. Parce que si on remonte dans le temps, les Flintstones, là, c'était à la mode, ça. Ouais. Dino. Je me battais quasiment toutes les semaines à cause de mon prénom. J'imagine. Pas Dino, c'est Dino. Fait que... Dino. Bref, ça m'a forgé. Si je m'étais appelé Gérard ou Benoît, peut-être j'aurais pas été obligé de me battre aussi souvent. C'est sûr. Et pour conclure. Si je m'étais pas battu souvent, j'aurais peut-être pas devenu boxeur. Fait que c'est un bon point. C'est un très bon point, c'est vrai. Et puis, pour conclure cette entrevue, mon partner Nastradaben, c'est à propos de son surnom, ça vient de Nastradamus, bien évidemment. Il est en train de prédire l'avenir de notre invité. Donc, le micro est à toi, mon ami. Ouais, putain, je dis souvent, je fais ça gratuitement en plus. C'est pas comme Jojo Savoir qui charge 5 pièces la minute. Là. Sinon, ça vous coûterait cher en vous dire 25 minutes. Ben, tout d'abord, merci, M. Philippe, pour cette entrevue. Hein? Merci, allez, Nostradamus. Vas-y. Oui, bien sûr. Ben, merci pour l'entrevue. Ça a été très apprécié. Oui, j'ai vu que des fois, vous personnifiez le Don Corleone, si on veut. Oui. Vous le faites-vous souvent, ça, ou bien juste à l'occasion? Monsieur, si vous ouvrez la porte, on en a pour une demi-heure. Mais ça va me faire plaisir. Oui. Et voilà 2 semaines, je suis allé à Los Angeles. Okay. Je suis allé faire une audition pour l'émission America's Got Talent. Okay. Okay. Je suis allé à l'audition. C'était Open Call Audition. Okay. Porte ouverte. Ils m'ont écrit, si j'habite proche de Los Angeles, vous êtes invité à Open Call. Non, j'habite à Montréal, mais je vais y aller pareil. Nice. J'ai pris les avions, parce que escale, deux avions pour me rendre, hôtel. Je suis allé à l'audition Open Call, qu'on appelle. Le parrain n'a pas passé inaperçu. Ils m'ont pas lâché avec les caméras. Ils m'ont filmé. Ils sont même allés me chercher un chat. Ils m'ont trouvé un chat pour me mettre sur les genoux. Comme dans le film Le Parrain, il y a un début, il y a un chat. Puis ils m'ont trouvé un violoniste qui s'était assis à côté de moi puis que lui, il jouait la chanson « Parla più piano ». Puis moi, là, j'étais dans le personnage. Bref, ils m'ont pas lâché. Photo. Donc, c'est encore une fois, ça venait de confirmer ce que j'avais à l'intérieur. Le parrain, il est fort. Il est respectueux, il est honorable, il est puissant, le parrain. Quand je suis rentré dans la place, il devait avoir 250 participants, des danseurs, des magiciens, des chanteurs, des acrobates. Mais le parrain, il n'y en a pas. Quand je suis rentré dans la place, les caméras se sont ruées sur moi, des entrevues. J'étais super content. Je suis allé faire mon audition après. Mais c'est une édition de 90 secondes. Ouais. 90 secondes, c'est pas grave. C'est un speed dating, là. Mais, je suis pas allé pour rien parce que ils m'ont réécrit. Ça fait 3 jours qu'ils m'ont réécrit, monsieur. Là, ils veulent m'avoir pour le gros show au mois de mars, en parrain. Wow! Là, ils veulent que je trouve des danseurs pour accompagner le parrain. Ils veulent que je trouve que je mette du crémage autour du parrain. Fait que là, je suis en train d'écrire ça. J'ai fait une proposition. Donc, je vais retourner fin mars, début avril, je vais retourner à Los Angeles faire le parrain qui va faire un show, qui va faire une scène, un acte qu'on appelle. Wow. Fait que je suis, pour ainsi dire, je suis très, très, très content. Parce que moi, j'avais pensé vous prédire, dans le fond, une version du parrain au théâtre, mais version québécoise, un peu comme ils ont fait avec 12 hommes en colère. Moi, je vais être franc avec vous. Moi, c'est mon. Vous lisez dans ma pensée, Nostradamus, félicitations. J'essaye. Moi, c'est la pièce de théâtre qui m'intéresse. Godfather de Play à Broadway. OK, à Broadway, pas au Québec, mais à Broadway. Ouais, ça pourrait se faire aussi. Oui, pourquoi pas? Ça n'a jamais été fait. On se comprend, mais c'est un film américain. Le budget américain, ils l'ont. L'ouverture. Eux autres, mettre 1 million là, pour une production, là, ça ne leur dérange pas. C'est ça. Fait que là, peut-être, si un metteur en scène du Québec m'appelle et dit non, on monte la pièce de théâtre de Parrain, c'est certain que je vais accepter. Mais moi, je pense que
si les produits, si je tombe sur la bonne personne, le bon producteur américain pour refaire la pièce de théâtre Godfather de Play à Broadway, c'est ça que j'avais dans la tête pour le 50e oui. anniversaire qui okay. était en 2022. Ça faisait 50 ans. Maintenant, c'était en pleine pandémie. C'était compliqué. Ah, et quand Al Pacino est venu à Montréal, moi, je suis allé rencontrer Al Pacino à Bien en Parrain. Puis quand il m'a dit... À Marlon Brando oh, aussi. Wow, ouais. Oui. Ah, il ressemblait à puis les producteurs de Montréal, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que j'aille le voir. Ben moi, j'ai appelé mon avocat. J'ai-tu le droit d'aller voir Al Pacino à Bien en Parrain? Oui, Dino. Achète ton billet. C'est comme si tu vas voir Elvis Presley et tu t'habilles comme Elvis Presley ou tu vas voir Madonna oui. ou Kiss. Fait que moi, je me suis bien emparé. J'ai acheté mon billet. J'étais assis devant Pacino. Bref, Pacino, il a fait son élocution et après ça, je suis allé le rencontrer backstage, en coulisses. Wow. Quand il m'a vu, là, il me dit « I miss you hein? ». Moi, j'ai répliqué « I miss you too, son ». Il m'a demandé si j'étais un acteur. Il m'a demandé si j'étais un acteur. Oui, j'ai donné ma carte d'affaires. Six mois après, j'ai eu un téléphone d'un producteur qui voulait faire un film qui allait s'appeler The Good Father. Maintenant, là, la pandémie est arrivée, la guerre en Ukraine, un des producteurs devait mettre du financement dans le film. Là, il est parti voir sa famille en Ukraine. Donc, ça a changé. Mais... Mais je garde confiance parce que ce qui m'alimente, c'est America's Got Talent. Je veux vraiment faire quelque chose de très bien. Mais je suis vraiment pas inquiet parce que chaque fois que vous touchez à quelque chose, ça fait du succès. Donc on vous le souhaite avec plein d'amour. Hey, 50 minutes, c'est gentil. 50 minutes de partage d'informations. On a pu découvrir monsieur Clavet dans toute sa splendeur, non seulement le boxeur, mais derrière tout l'homme sympathique. L'homme sympathique, ah ben oui. Le gentleman. C'était un honneur de vous avoir sur notre plateau pour une heure, honnêtement. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. On vous souhaite all the best, puis on garde contact. Prenez bien soin de vous, puis on vous souhaite une bonne semaine. Jonathan, Benoît, merci. Benoît, merci à vous deux pour l'intérêt. Puis vous allez l'entendre parler. Là. Je commence à. Merci.